dans cet air. Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aime sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, en ce samedi 4 avril 2020, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu. Saint Paul l'apôtre disait aux Colossiens que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. Que le Seigneur Jésus nous aide à disposer nos cœurs pour accueillir avec empressement sa parole. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur la terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux, ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur.
La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieux gens, tous ensemble, je chante leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. À présent, écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, et versets 45 à 57. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que le peuple et que l'ensemble de la nation ne périssent pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était enfin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montrèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, dans la première lecture de ce jour, Dieu se communique à son peuple. Par là à son peuple, Dieu se révèle, mais aussi il agit à travers sa parole. À travers le prophète Ézéchiel, Dieu vient sceller une alliance avec son peuple, mais aussi annoncer une promesse. Cette promesse est une paix, une liberté, une tranquillité, une alliance éternelle. Dieu s'engage à sceller une alliance avec son peuple. Et le contenu de l'alliance de Dieu se résume en trois promesses, dont Dieu est l'acteur principal. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de venir rencontrer son peuple, de se révéler à son peuple. Le prophète annonce en premier lieu la future demeure de Dieu, la nouvelle demeure du peuple choisi.
Ainsi parle le Seigneur, je ferai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur la terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes. Ces paroles, frères et sœurs, nous révèlent que Dieu n'est pas loin de son peuple. Il n'est pas au-dessus des nuages, comme nous le pensons très souvent. Il n'est pas un Dieu inaccessible, mais plutôt, il est un Dieu présent, un Dieu proche, un Dieu qui établit une demeure, un Dieu qui habite au milieu de son peuple. Ceci pour dire, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos maladies, nos peurs, nos souffrances, Dieu est au milieu de nous. Il nous appelle chaque jour, il nous tend la main et il attend juste notre oui. Notre Dieu est un Dieu sensible. Oui, Dieu est sensible à nos souffrances, à nos appels. Son cœur n'est pas sourd. Frères et sœurs en Christ, si Dieu installe sa demeure parmi nous, si Dieu vient habiter en nous, nous pouvons nous adresser alors à lui. N'allons pas chercher d'autres dieux. N'allons pas chercher d'autres conseillers. Car c'est lui-même qui dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. À travers ces paroles, Dieu rappelle son choix et confirme son élection à l'égard de son peuple. Ensemble, frères et sœurs en Christ, Dieu, par le prophète Ézéchiel, il scelle une alliance avec nous tous. Il établit sa demeure au milieu de nous et il nous invite à l'unité. Il nous invite à la communion. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions jamais notre commune vocation qui fait de chacun de nous un membre du peuple de Dieu. Et l'évangile de ce jour est une suite